Salut à toutes et à tous, c'est Akimo, Tourtour1500. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon. Alors, je cherchais quel jeu je pourrais faire un let's play, un nouvel épisode en let's play. Bon, Pokéloards, c'est vrai qu'avec Gérard, on n'y a pas pensé, mais vous inquiétez pas, il y en aura la semaine prochaine. Si tout se passe bien, il y en aura la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Donc, après, je cherchais, je me suis dit, allez, on va enregistrer du Pokémon, ça fait longtemps et tout. Voilà, un nouvel épisode de Pokémon. Alors, vous allez voir, j'ai mis les Pokémon tous à niveau. Voilà, ils sont tous niveau 32. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait juste un tout petit peu survolé l'avant-ville. On était rentré dans le Pokémon soigné. On a fait une route avec plein de dresseurs, avec un mec qui avait que des bitches autour de lui. Hein, il s'était fait un rêve. Et on est arrivé dans cette ville qui s'appelle Céladopol. Et regardez ce qui c'est qu'il y a en bas. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Laisse la team tranquille. Il se barre le mec. Et regarde. On dit la même chose. Voilà, hein, si vous vous souvenez, c'est la Team Rocket. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi est-elle là? Ça, on verra ça plus tard. Alors, on va visiter un peu la ville. Je crois que de toute façon, il y a des objets par-ci, par-là. On doit en avoir ici. Oh, ah bah, pas d'objet. Sérieux. Non, je veux pas toi. Mais il y a Pikachu. Non, bon, mais... comment il va, Pikachu? Il est content d'enregistrer. Hop, on va passer derrière. Hop, on va aller là. C'est pas une entrée derrière. On monte. Hop, on arrive dans cette maison. Et oui, Pokéball qui est là. Je teste tout sur le monde des Pokémon et sur ta Game Boy. Ouais. Fais beaucoup d'échanges avec tes amis. Ok, d'accord, c'est tout ce que tu as à dire. Et cette Pokéball contient un Evoli. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, enfin, vous l'avez sans doute vu beaucoup de fois, Evoli, parce que notre rival, Devils, en a un. Et en fait, Evoli est un Pokémon type normal qui évolue avec une pierre foudre. C'est un Pyroli, pierre foudre, c'est Voltali. Voltali, en. Pierre feu c'est Pyroli et en pierre eau c'est Aquali. J'ai toujours une préférence pour Voltali, j'ai toujours trouvé classe. Mais on va pas le faire évoluer, de toute façon on va pas l'utiliser. Il va rester moisir dans la boîte dans le PC. Voilà. On ne l'utilisera pas. Hop. Oula. Il y a une petite interférence, je sais pas ce que ça veut dire. Salut toi. C'est mon copain Tartare. Il était qu'un tétard avant d'utiliser une pierre. Ah oui, c'est petit tard, tétard et tartare. Voilà. Tartare. Alors ça par contre. Manoir Céladon. Et. Ah non, c'est pas celui-là. Je me suis gouré. Mes chers Pokémon me tiennent compagnie. Miaus rapporte même de l'argent. Oh, ton Pikachu, il est si mignon. Vous formez un magnifique duo, toi et ton Pikachu. Je vous envie beaucoup. Le mec, il est trop Pokémon. Ah, mais il le fait. Donc, Pikachu, dans l'épisode sur le Kamasama, il était tombé amoureux. Ah, Mios. Et là, c'est quoi? Nidor. Ok. Tarlouz, moi j'ai un Nidorino. Je me suis couru, je pensais que c'était là, mais en fait, il y a un truc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Voir ce qu'il y a tout en haut. Ah, je crois que c'est développeur. J'ai écrit l'histoire. Erika est belle. Ondine aussi, non? Et puis Morgan, elle est mimi. Oui, je crois que c'est développeur. Moi, je suis un programmeur. Ouais, c'est ça. Je fais tous les graphismes. Je t'ai dessiné. Ah bon? Peut-être t'aurais pu me faire un peu plus beau. Je suis designer. Remplir ton Pokédex est difficile, hein. Ah. XCS. Ok. Vous avez entendu le petit messenger, petit truc de messenger, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Complète et reviens me voir. Oui, alors, on va pas faire les 151 Pokémon. Et si on fait les 151 Pokémon, il me donne un truc. Pour dire que voilà, on est maître Pokémon.
Sachant qu'en plus, il faut passer par les échanges et tout. Donc, ici, il faut passer par tout ce qui est échange entre les versions. D'ailleurs, petit truc, alors, c'était un creepypasta, alors après, on va voir si c'est vrai ou pas. Quand on échangeait le Pikachu de la version jaune, quand on l'échangeait, il faisait la gueule. C'est triste, il faisait la gueule jusqu'à la fin, je crois qu'il en mourait, enfin, ces trucs. Et là, nous arrivons. Bonjour et bienvenue au centre commercial de Céladopol. Le tableau sur la droite décrit les différentes rayons du magasin. Bon, ça, évidemment. Premier étage, marche de dresseur. Deuxième, jeux vidéo. Troisième, cadeau. Quatrième, médicaments. Dernier étage, distributeur. Et là, les gens, là. C'est le magasin que quand on y va, t'achètes tout. C'est l'impulsion, c'est le solde. Bonjour, je peux t'aider? Hop, alors ça c'est les CT, c'est ça. Alors je sais plus ce qu'elles contiennent. Chaque CT, bon. Ça, je peux t'aider, voilà, ils vendent des super bols, des super potions, des rappels, des matériaux, des antigènes, des réveils, des antiparables, blablabla. Ah, je vais juste acheter une. Un truc. Oh, si de toute façon je vais l'acheter, je vais, au pire je vais l'utiliser sur. Je vais l'utiliser. Hop là. J'ai fini. Pokémon. Pas toi, hein. Prends donc ceci, petit. Ok. Le mec qui m'a donné, c'était 18. Comme ça, le mec qui me donne un truc. T'as pas fini? Tiens, je te donne ça. Ok. On va voir ce que c'est. Et contient riposte. Non. Non. Tous les Pokémon capturés. Ouais, ça c'est. Voilà, c'est quoi un jeu vidéo pour dire voilà, tel Pokémon, si tel Pokémon, ça. À la base, il y a l'ascenseur, mais je vais utiliser ça. Alors, toi, t'as quoi me donner? Salut, je peux t'aider? Bon, ceci, voilà, une Poké Poupée, Pierre, voilà, Pierre Eau, Pierre Foudre, qui se dit Pierre Feu, Pierre Foudre, Pierre Eau, Pierre Plante. Voilà, il y a 4 pierres. Alors, évoluer n'évolue pas avec une pierre plante, je peux pas dire. Mais je vais prendre ceci, vous allez voir pourquoi. Parce que, comme on le sait, Pikachu évolue en Raichu avec une pierre foudre. Ça, voilà. Hop, pierre foudre. Et... Pikachu refuse. Et je crois qu'il fait la gueule. Voilà. Il veut pas évoluer. Alors, il y en a qui vont se demander pourquoi, peut-être. Mais en fait, si vous voulez, dans la série Pokémon... Quand Sacha combat Major Bob, il a un Raichu. Alors la première fois qu'il s'affronte, le Pikachu se fait littéralement défoncer le cul. Et en fait, le seul moyen de l'affronter, ce serait de faire évoluer Pikachu en Raichu. Sauf Pikachu refuse. Il veut pas, il se dit attends, s'il te plaît, faut pas déconner. Hein. Moi je veux pas évoluer, j'ai pas envie, je veux rester Pikachu. C'est pour ça que Pikachu n'évolue pas dans cette version aussi. Si vous prenez l'autre version rouge feu, rouge feu. Oui bon, rouge feu c'est la remake de rouge. Si vous prenez rouge, bleu ou les autres versions d'après, Pikachu évoluera toujours en Raichu. Il n'y a que dans cette version que Pikachu lui n'évoluera pas en Raichu. Et je crois qu'on lui parle maintenant, il fait plus la gueule. Ouais c'est ça. Il s'excuse vite. Hein. Hop. Alors. Ah, il faut pas le mettre dans le PC parce que sinon il va pas être content aussi. Je l'ai fait une fois, il faisait la gueule. Donc, hop, faut que je stocke. Je vais stocker vite fait des florisants. Ouais, parce que au pire, hein, on a acheté. C'était pour vous montrer ça et au final, je vais quand même faire évoluer. Hop! Évolue. Quoi? Hein? Évolue. Regardez comme il est mignon. Il est trop mignon. Et voici Voltali, qui je trouve à la méga classe. Bon, il est tout pixelisé là, mais il a la classe. Donc on va récupérer juste notre petit Florizarre, parce qu'il faut pas déconner. Hein. On va stocker Voltali. Hop, et on va prendre notre Florizarre. Zéro papillon niveau 1. Hop, il s'est mis en quel. Ouais, il s'est mis en derrière. Et maintenant, nous allons faire. Attention, la reine de Céladopol.
Alors on va juste encore visiter un petit peu. Là il y a une vieille. C'est le centre commercial. C'est... Alors, c'est peut-être la... Ah non, Safrania est peut-être plus grande que celle-là. Hop, alors on va pouvoir passer. Et là, regardez ça. Un gros Pokémon endormi bloque le chemin. Et là, c'est le drame. Ah non, c'est vrai qu'il faut faire ça. Coupe. Couper les herbes, c'est cool. S'il y a de bons Pokémon, je crois qu'on peut choper des rapaces de pique et tout. Mais bon, on va pas le faire, on va continuer. Salut. Et là, on va récupérer. Je vais faire maintenant une CS. Oh, tu as trouvé ma cachette red. Prends ceci en échange, ne dis à personne que tu m'as vu. CS2. La capsule secrète. CS2 qui contient. Attention. C'est pas pratique ça. Ce menu est vraiment pas pratique. Contient vol. On va prendre vol à Pokémon. Oui, on va le prendre à Rookoops. Je crois qu'on n'a pas le badge pour l'utiliser. On va enlever des jets de sable. De toute façon, ça ne sert strictement à rien. Et voilà. On apprend vol. Oh, mon dieu, enfin. Ah non, on va pas l'utiliser dans une maison quand même. Et je crois qu'elle, elle a juste un Rookoops. Un Rookoops, un Rookoops. Et oh. Ok, elle a rapace épique. Bon, c'est bon, hein. Fais pas ta maligne. Hein. Sniff. C'est pas très gentil. Hop, et je crois... Ah si, on peut l'utiliser, regardez, avec vol. On peut aller... Alors, on peut aller que dans des endroits qu'on a visité, je précise. Ah, Azuria. Hop, l'avant-ville. Carmel-sur-Mer, c'est la Dopole. Voilà, toutes les autres, comme on n'a pas visité, on ne peut pas y aller. Mais quand on a vol, ça change une ville. Ah, mais attendez, pourquoi je me déplace à... J'ai la bicyclette. D'accord. Ouais. S'il te plaît, hein, tu me respectes. Hop. Florizard. Il coupe l'herbe. Ah, c'est un petit peu plus rapide quand même. Par contre, elle a pas la musique de Saladopole. J'ai tout perdu au casino. J'aurais dû acheter un prêt avec le jeton hein, avant de tout claquer. Ouais. Parce qu'il y a un casino aussi. Oh. Hop là. Ah, un PP plus. Ça j'avais déjà cliqué. Alors est-ce qu'il faut pas avancer en même temps? Ici peut-être un truc. Il y a un truc, j'en suis sûr qu'il y a un. Non, il y a. Bon, d'accord. D'accord. Ouais, des Pokémon ou quoi? C'est un hôtel ici. Et c'est complet. Ouais. Ça, un hôtel? Ça, un hôtel? Pourquoi pas? Chef! 2000 Pokémon ont été envoyés comme prix au casino. Ok, et tu me dis ça, oui chef, oui, bah vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu mets? Pas toi en tout cas. Ah, ça c'est un restaurant. Salut, on fait une petite pause. D'accord. J'ai pas envie de parler à tout le monde, parce que si on parle à tout le monde dans cette ville, on n'est pas fini. Et en plus, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a là. L'arène de Céladopole. Oh. Et comment y aller? C'est une bonne question. Non, si, c'est bon. Faut aller là. Voilà. Et là, je laisse Rookoops en priorité. J'ai pris les bicyclettes. Je laisse Rookoops en priorité. Même s'il augmente plus vite plus que les autres, je préfère le garder. Tout simplement parce que dans cette arène... Hé, cette arène est terrible, il y a plein de meufs, oh le papico. Parce que cette arène, il y a que des Pokémon de type plante. Hé, toi, c'est interdit par ici. C'est que des Pokémon de type plante, c'est-à-dire que même avec Rectincelle, on aurait pu les tuer. Mais pour l'instant, je vais laisser...
je vais laisser Recoups 30-23. Oh merde, je vais les défoncer. Et on va faire vol. Hop là. Ouais, parasport, lol. Merci d'être passé, c'était cool. Au revoir. Niveau 23, mais merde. T'es très un peu fort là. Ah, peut-être que Poussifleur sera mieux. Ok, niveau 23, en fait c'est toujours une merde. Ok, on a peut-être pris un petit peu trop d'avance. Oh. Sérieux? Bon, mais vive attaque. Ok, cruel, ça l'a pas tué. Bon. Peut-être pas plus mal. Hein. 744 points d'expérience. T'es trop fort. Eh ouais, tu crois quoi? Bonjour madame. Je suis belle, hein? Hein? Écoute, je t'ai pas vu. Tu es très moche. Tu es très pixésé, tu es très moche. Canon. Ouais? Pourquoi pas? Donc elle a mis ça au niveau 21. Oh la merde. On est à un niveau trop élevé? Quoi? Ça me fait peur. J'ai pas mis de minuteur pour savoir à combien de... 2 minutes on en est. Bon, je pense qu'on est à peine à 15 minutes. Je pense, après je peux me gourer. Mystère. Non mais sans déconner, vous avez que des petits et des mystères. En fait elle avait un boostiflore quoi. Non mais sans déconner la loose. Chutiflore, je parie niveau 21, c'est ça? Ouais, c'est ça. Merci d'être passé. Au revoir. Voilà. Niveau 33. Et voilà. Ça, c'est fait. Hein? Mes cheveux? Ouais. Allez. On s'appelle, on se fait une bouffe, c'est ça? Oui, comme vous le savez, je fais tous les dresseurs dans les arènes. Ça m'entraîne. Mes jolis petits Pokémon. C'est des plantes sont si faciles à faire évoluer. Combat! Ouais! Ils se font bien défoncer aussi. Et pourtant, j'en ai un Pokémon type plante. Mais j'étais en train de réfléchir en off. La team, c'est bon, je vais prendre une team super badass. Je garde Florizarre pour l'instant. Mais après, j'aurai une team. Mon dieu! D'une puissance. Parce que j'ai déjà l'autre Pokémon que je veux, il viendra beaucoup plus tard parce que c'est. En plus c'est hyper chiant à capturer. Mais oh là là, rien d'y penser. Je pense qu'il va fermer. Non mais sans déconner, mais. Oh, la reine elle va être facile. Warg. Warg. Il y a une autre personne en haut? Non. Ah, il y a trois dresseuses. Enfin, il y a deux dresseuses plus la championne. Mais. Je crois que c'était un peu. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah écoute, je viens te défoncer et récupérer le nouveau badge. Le quatrième badge, si je ne me trompe pas. Ouais, un but bizarre. Ah, j'ai un Florizarre. Tarlouse. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, je te défonce. En plus, un coup critique. Oh, t'étais sûr de crever. 328 points d'expérience. Et. Oh, la nerf bizarre. Niveau 24. Là, par contre, je peux comprendre. T'aurais pas pu avoir plus évolué pour que je gagne plus? Oh, pas mort. Par contre, il a encore tournade, ça me fait chier. Je l'ai pas enlevé parce que je joue encore Jet Sable. Jet Sable, ça me sert strictement à rien. Tout perdu. Hop. Pourquoi j'ai Herbizarre? Florizarre. Voilà. Oh, il y en a 4. Oh, non, vous allez prendre tellement cher. Bienvenue dans l'arène de Céladopol. Les filles sont plus fortes que les garçons. Oh que oui. LOL. Le mec neutre. LOL. Top dresseur veut se battre. Allez, vas-y.
Boosty Floor, niveau 24. Ok. Ok, t'as rien. Bien que pour te faire mal. Hein? Ah, poudre toxique. Ah, allez, salut. Ouais. Ortide. Ouais, c'est bon, ça passe. C'est vraiment moche ce Pokémon. Rafflesia a la classe par contre. Son évolution Rafflesia a beaucoup plus la classe. Mystère, bah, enfin. Ouais. Sniff. J'ai pas d'antipara. Ok. Bon, quand même, je devrais pouvoir survivre. S'il te plaît. Quand même. Niveau 34. Oh, oula, mais... Ça augmente. Bon, je pense que l'arène va être assez facile. Mais là, j'ai 10 niveaux de plus que toi, quoi. Mais en plus, je suis paralysé, quoi. Oh, pourquoi? Parce que c'est une fille. Je suis un machiste. C'est interdit aux Pokémon insectes ou du feu ici. J'ai un Reptacelle, ça compte. C'est pas un Pokémon feu, le mec. Pourquoi il a une flamme sur la queue? C'est pour la déco. Ouais, cruel. Ah, mon dieu, tu me fais volvir. Oh là là, j'ai perdu 2 points de vie. Bye bye. Pas comme si j'avais 11 niveaux de plus que toi. Y'a un Ortide, ok. Volvi. La musique des combats Pokémon à l'époque était quand même... Je la trouvais bien. Champions d'arène, c'était encore mieux. Les combats de champions d'arène, c'était encore plus stylé. Oh, vilain. C'est pas un Je suis désolé, c'est pas un Pokémon feu ou un Pokémon insecte. Je suis désolé. Toi, je vais t'écraser comme une puce. Non. Je t'explique tout de suite. Toi, par contre, tu vas te faire écraser. Des nœuds neufs. Je les trouve vraiment moches. C'est pas notre coco, c'est comment il s'appelle. Ah, je m'en souviens plus. Sérieusement? Bon, ça me fait pas perdre beaucoup de points de vie, mais je savais pas que ça faisait ça. Oh, tu me fais chier avec ton pilonnage. Aïe. Le mec, aïe. Aïe. 3 fois. Oh, comparé à ça, il est paralysé, là. Oh, il m'a fait un coup critique. Oh là là. Peut-être pour cette caméra. Mais... Crise d'épilepsie en approche. Elle est cruelle. Salut. Bon, ça... Je trouve pas ça drôle, là. Très clairement. Merde, tu fais chier. Wait. C'est sérieux qu'il allait buter, là? Ça continue? Ouais. Hein? Bonjour et sois le bienvenu. Il fait beau, n'est-ce pas? Ouais. Fais voir. Fais tant de merde quand même, hein? Je suis désolé, mais bon. J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons. Putain, c'est Nippy. C'est chou, non? Moi, c'est Erika, la championne de l'arène de Céladopole. L'arrangement floral est ma spécialité. Mes Pokémon sont du type plante. Sans déconner, j'avais pas remarqué. Il fit grand froid hier. Alors, j'ai mis un pull. Hein.
Tu veux te battre? Bah, dis-le, mon vieux. Mais mon personnage, il parle pas. C'est le personnage de Zelda, il parle pas. Tu sais quoi? Tu vas perdre. Je perds face à toi, mais je me tire une balle. Sac de 2, déjà ça commence. Rappelez-moi, dans cette dresseuse, le Pokémon le plus fort était niveau 26. C'était le 9. Je suis peut-être pas si en avance que ça en fait. Oh putain, non. Non, c'est bon, c'est pas ligotage. J'ai peur. Ok, là faut vraiment envoyer. Oh là 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 là. Je sens que le combat va être plus chaud que prévu en fait. Tout comme fait, je suis peut-être pas si en avance que ça. Alors si son sac de nœuds est niveau 30, ses autres Pokémon, on va être à un niveau quand même assez hard. Oh, niveau 35, mais oui, vas-y. Boussifleur, oh putain. Je crois pas que c'est son plus fort. 32, oh mon dieu. Acide, oh là là. Là par contre je vais prendre cher. Ça va, je tiens encore le coup. Donc, désolé, il y a eu un petit compromis, un petit entre-temps, un petit petit imprévu. Ok, Boostiflas, ils sont plus puissants. Non. Ok, il y a un petit Boostiflas qui était ces deux plus puissants. Acide, oh putain. Et je perds la défense, oh la vache. Si je peux faire, oh, s'il te plaît, fais un coup critique. Merci mon dieu. Ah, j'aurais voulu qu'il monte au niveau 36 quand même. T'aurais pu faire une fois. Oh, j'ai perdu. Bien joué, c'est mérité. Je te confie le badge de Prism. Ouais, t'en veux plein de soucis avec. Le badge de Prism fera obéir les Pokémon jusqu'au niveau 50. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Force. Prends ceci, gars. Prends également ceci. C'était 21. C'est quoi? Méga sensu. Putain, ça c'est bon ça. La moitié des dégâts infligés soigneront ton Pokémon. Ouais! Déjà direct à la prendre. Hop! Florizard. Je vais prendre. Nanana, oui, il veut oublier. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Ah non, c'est. D'accord. Hop! Il y a deux points. Vampigrun. Allez hop! Floriza oublie Vampigrun et apprend Méga Sensu. C'est pas la plus puissante étant donné que c'est Giga Sensu. Oh, avec les combats, le truc c'est réalisé. LOL, t'es sérieux là? Fais voir, il reste combien? Ok, oh putain, il reste encore levé. Elle va faire évoluer. De toute façon, on va le foutre. En dernier. Hop, ouais, j'ai une Florizarre de moi, de toute façon. Ah voilà. Cup. Yeah. Coupe. Et voilà. Ouais, c'est qu'est-ce que tu mets, lui, il a pas changé. J'ai tout perdu au casino, j'aurais dû acheter un produit. Oh zut. C'est qui donne. Est-ce qu'il y a un objet que mec donne? Je veux le joli Porygon. Tu trouves joli? Mais les machines à sauce sont trop dures.
Hop. Et voilà, ça c'est le fameux casino. Le grand, le magnifique, le beau casino. Quoi ça, tu veux des jetons? Oups, pas de boîte de jetons. Voilà, il faut une boîte de jetons, mais je crois qu'on en a pas spécialement besoin. Hop, on va les soigner. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a fait quand même... On a fait quand même l'arène, on a visité un petit peu. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas combien de temps on tourne, donc... Et je veux, j'ai spécialement, je veux faire une vidéo plus longue, mais comme je sais pas depuis combien de temps on tourne, je préfère pas trop abuser. Donc on va s'arrêter toujours, on est toujours à Céladopole, on va s'arrêter là. Et j'ai envie d'éternuer. Oui. Là. Oh, c'est vrai quand ça vient pas. Vous savez, c'est quand on fait éternuer, d'un seul coup, ça, limite, ça s'arrête, ça fait... Ah. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon. On a quand même fait l'arène Pokémon. On a récupéré la 16 vols, on a fait l'arène Pokémon. Et on verra plus tard pourquoi la Team Rocket est ici. Sur ce, moi je vous laisse. C'était Rick Moreau 3500 pour vous servir. Si vous voulez me suivre via Twitter, Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo, de partager la chaîne autour de vous. Moi je vous laisse, je dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!